Bonsoir à tous. Les titres de ce vendredi. Les manifestants ont été arrêtés. Or, les robinets restent toujours à sec. La manifestation de la soif à Rodrigue n'aura pas été sans conséquence. 6 personnes ont été arrêtées et font l'objet d'une charge provisoire de participating in illegal riots. Demain, 7 autres personnes seront aussi inculpées. Il est à noter qu'à cause des obstructions sur la route, un motocycliste a été blessé. Ses habitants étaient dans la rue, excédés par la pénurie d'eau dans l'île. L'heure est au bilan pour l'Alliance Les Peuples. Anil Gayane est revenu sur les raisons de la non-participation du gouvernement dans l'élection partielle du numéro 18. Le salaire minimum, le métro express et le New Arab Town ont notamment été cités dans ce bilan. Concernant les divers scandales qui ont secoué le gouvernement cette année, Anil Gayane répond ceci, « Touvin scandale dans Maurice ». Choc en Premier League ce soir avec cette bataille pour la 4e place. Ils seront nombreux devant leur écran à 23h45 pour suivre l'affrontement Arsenal-Liverpool. Ce match, qui sera certainement passionnant, ouvre le bal des fêtes de fin d'année avec un match chaque 3 jours, incluant le Boxing Day mardi prochain. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et bon week-end à tous.